pour vous remercier d'être, voilà, d'être assez régulier dans vos commentaires, dans vos likes. Et comme on atteint bientôt les 1000 abonnés, je vous présente le premier épisode de l'opération ETA. Alors, il y en a qui m'ont posé la question, qu'est-ce que c'était ETA? C'est tout simplement, ça veut dire eau, terre, air, c'est-à-dire que je vais faire nager. Vous allez voir évoluer les leurres sous l'eau. Vous allez voir le pêcheur, bien sûr, sur la terre ferme. Et vous allez voir de temps à autre la pêche vue des airs, ce qui peut donner un visu assez sympathique et attrayant pour la vidéo, je pense. Donc voilà, ce que j'appelle l'opération ETA Savage Gear. Donc voilà, et ça sera sur la chaîne Savage Gear ta pêche, bien sûr. Et pour commencer, pour le premier épisode, on va jouer avec le 3D Rush. On va essayer de faire un poisson avec une visu aérienne. Donc ça va être la première expérience avec le drone. Là, j'ai bien appris à le manipuler correctement. On va voir ce que ça donne. Voilà, c'est un petit investissement personnel pour moi personnellement et aussi pour vous faire partager un petit peu ces images qui risquent d'être assez magnifiques. J'imagine déjà dans ma tête que ce soit les black bass qui vont venir attaquer les leurres en top water ou les bandes perches sur des stick bait, etc. Donc je pense qu'on va avoir des images assez sympathiques vues du ciel ou les silures sur les 3D rad ou les suicide ducks. Voilà, ça va être l'objectif de 2018 d'avoir des images aériennes de ces poissons qui vont évoluer à la surface pour venir attraper les leurres, en plus des explications et du partage que je ferai comme d'habitude quoi. Donc merci encore de me suivre, on est bientôt à 1000 abonnés, ça fait super plaisir, je vous en remercie beaucoup et puis bah voilà, on va continuer l'aventure tranquillement. Voilà, allez, c'est parti pour le petit 3D rush customisé avec du marqueur attractant dessus, ce qui donne un petit effet vraiment fear tiger. Donc là vous allez voir la nage subaquatique. Donc là comme vous pouvez voir, je l'ai installé avec une TP hein, en 10 grammes et puis l'assemblage qu'on retrouve sur les 3D Burbo en 25 cm hein, voilà, que je colle en dessous, je mets un simple trip, ça suffit amplement. Là j'ai mis une petite bille hein, histoire de rajouter un petit effet attractif hein, et vous allez voir que c'est redoutable. Allez, c'est parti. Thank you.
Thank you.